Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les records du monde les plus absurdes. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors si Einstein a marqué l'histoire grâce à ses découvertes scientifiques, ces gens l'ont aussi fait, mais à leur manière. La preuve, il figure désormais dans le Guinness Book des records. En numéro 1, le record de la plus longue distance avec une bouteille de lait sur la tête. L'américain Archstra Fuhrman a porté une bouteille de lait sur la tête pendant plus de 23 heures et 59 minutes sur une distance de plus de 130 km. C'est le record de la plus longue distance parcourue avec une bouteille de lait sur la tête. Et vous imaginez l'huissier derrière qui doit le suivre pendant 23 heures, c'est chaud quand même. Numéro 2, on a souvent dû te dire que t'es un gros branleur, mais cherche pas, tu peux pas tester ce mec. Le japonais Masanobu Sato détient le record de la plus longue branlette de l'humanité. Il s'est masturé durant 9 heures et 58 minutes. C'est une putain de blague, parce que il a dû prendre des cachets, c'est pas possible. Soit il a un don, soit c'est incompréhensible. En numéro 3, les buveurs n'ont qu'à bien se tenir, car l'allemand Oliver Stumpfel détient le record que peu peuvent se vanter d'avoir, car il a parcouru avec 25 chopes de bière une distance de 40 mètres sans les faire tomber. Numéro 4, le record de la collection Batman. Ça c'est une putain de collection, l'américain, Kevin Silva détient la plus grande collection d'objets liés à Batman, soit 2501 objets différents. Rien que ça, c'est énorme. Le mec, il remplit sa maison avec ça. Ou je sais pas ce qu'il fout, mais faut vraiment être... Vraiment être fan de Batman. En numéro 5, nous avons le record du lancer de ventouse sur cible humaine. Ouais, c'est totalement what the fuck. Mais l'allemand, encore un, Gérard Donny, n'est pas un rigolo. Il a lancé 15 ventouses sur des cibles humaines en une minute. Naturellement, c'est un record. Il a lancé 15 ventouses en une minute. C'est des fous. Nous avons encore plus fou en numéro 6, le record du 100 mètres en chaussures de ski. Oui, ça existe. Figure-toi que c'est encore un Allemand, André Horsloff, le mec le plus chaud de l'humanité. Il s'est tapé un 100 mètres équipé de chaussures de ski, le tout en 17 secondes 65. Usain Bolt, t'as intérêt à bien te tenir, parce que ce mec-là, il arrive. Et tu vas voir, il va te niquer, même avec des chaussures de ski. En numéro 7, avec 18,1 secondes, Tim Janus détient le record mondial du plus long row de l'humanité. En numéro 8, on a le musclor de l'humanité, car le record de poils enroulés, le maximum de poils enroulés est de 1 minute par homme et de 12 poils. Et c'est l'américain Steve Weiner qui possède cet euro record d'une certaine utilité, on peut se l'avouer. En numéro 9, on a un record assez what the fuck, mais c'est le record du nombre d'escargots sur le visage, et c'est une fille de 11 ans qui a recouvert son visage totalement avec pas moins de 43 escargots, vivants hein, bien sûr, pour battre ce record, complètement débile on se l'assure, et pour être très épanoui dans sa vie et bien dans ses pompes. Oui parce que ça sert strictement à rien de se couvrir la tronche d'escargots. Je vois pas l'intérêt, y a aucun intérêt médical. Et en 10e position pour finir en beauté, on a le record de la plus longue moustache de l'humanité. T'as toujours trouvé que la moustache de ton papy était trop longue et trop moche? Bah c'est rien à côté de celle-ci. L'Indien Ram Singh Chautan possède un attribut pileux qui mesure pas moins de 4,29 mètres de long. Donc c'est la plus longue moustache de tous les temps. C'est un truc de malade. Je sais pas comment il fait pour la faire tenir. Il doit l'enrouler comme ça là, comme dans les films. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu pour mieux référencer la chaîne, c'est toujours mieux. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. J'aimerais vraiment atteindre les 1000 abonnés avant le début de l'été 2017, ça serait vraiment cool. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde, oui !